Mon cher, la mamaï. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que Adama Big Togo a été élu président de l'Assemblée nationale, les amis. Il a été élu président. Le jour des obsèques du président de l'Assemblée nationale qui est décédé là, il avait dit que le président de l'Assemblée nationale lui avait dit que lui, Adama Big Togo, devait garder son tabouret tout pendant que lui il était aux soins là. Il était en train de il était en voyage en Turquie, tout ça, en train de prendre soin de lui parce qu'il était malade. Il a dit que le président de l'Assemblée nationale dans le temps lui avait dit que de garder son tabouret. Voilà que ce monsieur est décédé. Voilà que Monsieur Adama Big Togo, les amis, est président de l'Assemblée nationale. Et ce qui est encore grave, l'opposition a appelé tous ses députés à voter pour Adama Big Togo, les amis. Comment l'opposition peut appeler à voter pour lui? Qu'est-ce qui se passe? On est où là? C'est pas tu unique ou bien c'est comment? Regardez un peu ce que l'opposition avait demandé avant qu'on vote là. Regardez ce qu'ils avaient dit. Mesdames, messieurs, les députés, chers collègues, ce matin, toute l'opposition politique représentée à l'Assemblée nationale et sous les autorités des présidents Henri Konan Bédier, président du PDCI RDA, Laurent Gbagbo, président du PPACI, Mabry Touakeus, président de l'UDPCI, veut exprimer son vote pour le renouvellement du poste de président de l'Assemblée nationale comme un vote de confiance au président de la République. Notre pays a trop souffert de nos divisions et des crises politiques. Fratricides qui augmentent nos douleurs. Nous voulons donner notre part de signal à notre pays en cette occasion particulière suite au rappel au Tout-Puissant du président de notre institution pour que le processus de réconciliation espéré par tous devienne enfin une réalité pour tous. Nous voulons nous engager à nous impliquer pleinement dans la mise en œuvre des premiers pas du dialogue politique initié par le président de la République. Eh bien, les amis, je vous épargne d'autres détails. Avec trop de détails, vous devez vous focaliser sur la fin qui nous dit ceci. Aujourd'hui, nous appelons à voter oui pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous appelons à voter oui pour le candidat du RHDP en remplacement de l'ancien président Amadou Soumaoro, également membre du RHDP décédé. Les premiers mots de pardon personnel exprimés par le ministre Adama Big Togo à l'ensemble de l'opposition pendant les échanges avec tous les groupes ainsi que les premiers signaux d'une dynamique nouvelle au service de la démocratie augure d'une future contribution positive de l'Assemblée nationale au processus de réconciliation qui s'engage avec foi. Eh bien, voilà qui est dit, voilà qui est fait. Adama Big Togo est le nouveau président de l'Assemblée nationale, les amis. Il a gagné. Espérons que l'opposition a fait un bon choix. De toute façon, mais l'opposition est déjà en minorité au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, je ne pense même pas que, voilà, ça allait porter quelque chose. Je ne pense pas que la voix de l'opposition allait faire quelque chose, allait trancher quelque chose, allait changer quelque chose de significatif. Je ne pense pas. Donc, ils ont préféré prendre la grande voie, ils ont préféré prendre la grande porte, ils ont préféré prendre la porte de la réconciliation. Ce qui n'est pas mauvais, mais attention. Nous attendons la suite. On vous regarde, on est derrière, on vous regarde. Et donc voilà qui est fait, comme je le dis, Monsieur Adama Big Togo, le nouveau président de l'Assemblée nationale, celui-là mais qui est le député d'Agboville, les amis, il est le président de l'Assemblée nationale. Il a gagné avec 97,53%, c'est ça qui est la vérité. Eh bien, Monsieur Amankou Jean-Michel a eu 2,47%. Donc voilà ça, l'opposition à voter pour M. Adama Big Togo. Demandez à tout le monde de voter M. Adama Big Togo. Voilà que les choses ont été finalisées. Voilà qu'il a gagné. Donc, qu'en pensez-vous, les amis? C'est chaud, hein?
Depuis très très longtemps, nous avons prédit ici que ce monsieur voulait être président de l'Assemblée nationale. On avait dit, voilà que c'est fait. Vraiment, Yako. Opposition, Yako. Sur ce, les amis, moi, je vous laisse. Et si tu es nouveau par ici, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir, les amis. On se dit à tout à l'heure. Bye bye, les amis. Bye. Atama Bitogwe, président, les amis, président de l'Assemblée nationale. Tchaï! Hein? Dans la vie, là, il faut avoir des ambitions. Pati Sangana, le rêve est permis à tout le monde. Hein? Alors là, le rêve est permis à tout le monde. Tu rêves, rêves jusqu'à... Mais il faut mettre en pratique tes rêves. Voilà que ce monsieur a rêvé. Voilà, aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale. Il a rêvé d'être président de l'Assemblée nationale. Il a tout fait batailler. Voilà, bim, président. Hein? Bompé, tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la maman. Bonsoir, les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affirmer un peu. Le pays que nous habitons s'appelle la Côte d'Ivoire. Et ses habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants Ivoiriens. Enfants Ivoiriens. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Mambo, oléléya. Enfants Ivoiriens. S'appelle la France, la Belgique, l'Italie, la Suisse, la Hollande, l'Espagne, l'Angleterre, enfant de la terre, mambo, oh, les ya.